Namasté à vous qui regardez cette vidéo. Alors moi je m'appelle Chanterelle, c'est un nom de champignon exotique. Et apparemment c'est mon gourou qui m'a choisi ce nom. Je suis une de ces nombreuses femmes. On est au moins... On est au moins tout ça pour l'instant. Donc moi je pense qu'il faut qu'on revienne au goût du jour, qu'on soit un petit peu plus... Non, je dirais plutôt le retour à la nature. C'est pour ça que j'assainis cette vidéo avec un non-sens de patchouli. Parce que le patchouli, ça rappelle le... C'est comme si on mettait un patch sous la souffrance du monde, du règne des animaux, des pierres et de tout ce qui est végétal. Ensuite, il y a plein de choses à faire, notamment quand on est en été, quand on est embêté par ces adorables moustiques qui ne nous ont rien demandé. Alors moi, ce que j'ai à vous proposer dans la gamme bio, c'est tout simplement... Voilà, c'est un... brume d'ambiance à la citronnelle. Ça va faire partir les moustiques de façon pacifique. Il faut quand même les respecter. Ce sont les créatures de notre mère Terre. Et on ne peut pas leur faire de mal, on ne peut pas leur en vouloir. Vous vous nourrissez bien de vaches. Elles ne vous ont rien fait, mais pourtant vous les tuez. Hein. Alors ne faites pas de mal aux moustiques. Hein, c'est le patchouli qui commence à faire un petit peu effet. Ou alors c'est peut-être... Oh. Namasté. Nous allons continuer donc avec quelque chose qui est très utile pour toute ambiance. Je parle bien sûr des huiles essentielles bio. Il ne faut pas oublier que il n'y a pas que l'encens qui purifie et qui va tonifier votre quotidien. Les huiles essentielles bio, on peut les mettre aussi dans les plats bio, c'est-à-dire des végétaux qui n'ont pas été maltraités, ni élevés en batterie comme ces pauvres poules. N'oubliez pas, elles ont une âme. Ces plantes aussi en avaient une, mais elles ont fait don de leur essence vitale. C'est très important. Là, par exemple, j'en ai une et j'en ai deux. Mais j'en ai toute une gamme et il y en a plein. Il vous suffit d'aller dans tous les magasins bio et je pense qu'ils en ont. Namasté. Ensuite, je vais vous proposer, en ces temps de crise, à cause du coronavirus, encore un complot de pharmaceutiques et de toutes ces horreurs qui sont à travers le monde, tels que les gouvernements, Justin Bieber, et j'en passe, des pires même, Christophe Maé, tous ces chanteurs qui prônent le mal, qui prônent l'achat, qui prônent la destruction de la forêt, qui prônent l'huile de palme, qui fait du mal à ces pauvres singes qui n'ont rien demandé à ces orang-outans. Excusez-moi. Je vais me ressaisir. Namasté. Alors, c'est du gel et un hydroalcoolique. Alors, je vous préviens, ce n'est pas parce que c'est bio que ça se boit. Bio ne veut pas dire bois. D'accord? Namasté. Alors, cette fois-ci, c'est une gamme de gel hydroalcoolique qui se pchit-pchit et c'est aux huiles essentielles. Ça va vous aider à vous épanouir aussi dans la vie, ainsi qu'à vaincre ces Pardon, bactéries qui vous ont rien demandé. Je vais me ressaisir. Il faut que j'y arrive pour faire passer ce message de paix. Namasté. Ensuite, pour assainir la maison, la chambre, le lieu de vie, les toilettes, une mauvaise haleine, quelqu'un dans la rue qui fait un jogging ou dans les bois et qui purée, je vous propose un spray,
toujours à base d'huile essentielle bio. Il suffit de le pchiter sur les gens, dans la bouche ou dans sa chambre ou ses toilettes et ça fera l'affaire. Il est grand, il est bio, il est bion. Ensuite, nous allons parler de notre mode de fonctionnement. Namasté. Il faut pas oublier quand même qu'il y a plein de magasins, qu'il y a des marchés bio où nous pouvons acheter ces carottes qui sont minuscules et très laides d'après vous. Elles sont terreuses, mais la terre est bonne. Nous sommes nés de la terre. Il ne faut pas oublier quand même les bienfaits de la terre, je trouve. Ça, on a trop tendance à l'oublier. C'est fort dommage. C'est fort dommageable, dirais-je. Je m'égare, pardon. Namasté. Namasté. Que devrais-je dire encore? Je crois que je n'ai rien oublié. On se retrouvera donc pour une future vidéo où cette fois-ci je vous apprendrai à faire les bonnes courses bio, à éviter les magasins de surconsommation, ces lieux de débauche et d'excès qui sont exécrables. Sur ce, je vous dis namasté, que la sagesse de Bouddha et de notre mère la Terre vous salue et vous suive au quotidien. Namasté.